Je m'appelle Sabrine, je suis originaire du Bangladesh. Je vais vous parler de la fleur de lotus parce que c'est une fleur symbolique et nationale de mon pays. Elle pousse sur l'eau et dans les rivières et les étangs. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau au Bangladesh. Elle est représentée souvent sur les billets de banque, les pièces ou les objets comme les verres ou les assiettes. Celle-ci est une artificielle parce qu'elle ne pousse qu'au juillet. Elle symbolise la légèreté et la pureté parce qu'elle, quand elle pousse sur la boue, elle reste blanche. Et la fleur est protégée par la grande feuille. Elle ne s'abîme pas, elle ne se salit pas. Et quand il pleut, les gouttes d'eau glissent sous les pétales du lotus. Elle n'abîme pas la fleur. Une fois, quand je suis allée chez mes grands-parents au Bangladesh, j'ai nagé au milieu des fleurs de lotus et j'en ai cueilli plusieurs. C'était très difficile parce que les tiges étaient épaisses. Il y a plusieurs types de couleurs, les rouges, roses, blanches et bleues. Je les trouve très belles, surtout les blanches.